Par contre, tu viens nous rejoindre quand tu veux, hein. Il est 4h du Ouais. matin, tu fais quoi là? Allez! Bah attends, je viens de me reprendre la route. Allez! Tu fais quoi? Je me sens un peu seule du coup. Ok, donc là on a tout fait. On avait pris pour être avec quelqu'un et au final, il est jamais là, les gens. J'étais Tu à vois? 3 km, ce qu'il faut savoir. Ah, mais t'es pas loin du coup. Là, je suis plus très très loin. Je vois Doucement mais ça. sûrement. S'en va par là. S'en va par là. Et on file chercher notre sac. Non, en fait, on va aller rejoindre Ijnep. Et avec Ijnep, on ira chercher notre sac. Voilà, comme ça, lui, il a plein de plumes. Les jeux qu'il y aura. Alors, les jeux qu'il y aura, ce sera Left 4 Dead. Enfin, c'est à choisir entre Left 4 Dead, LOL, Minecraft, du Garry's Mod et du H1Z1. H1Z1, c'est King of the Kill. Je veux pas dire. Tu vas donner ton Steam à tout le monde, ça va être intense. Non, non, je m'arrangerai à mon avis avec les personnes, les Alexandriens qui sont avec moi, et moi je reprendrai personne. J'aurai pas le temps de commencer avec le stream à m'occuper d'inviter les gens et tout ça. Donc je prendrai personne sur Steam. Je ne prends jamais personne sur Steam à part les personnes avec qui je joue en vidéo et autres. Par contre, si vous jamais vous voulez vous participer, vous voulez me parler, il y a toujours le groupe Steam où là. Je passe régulièrement voir et je peux répondre à vos questions. Ou Facebook, ou Twitter, ou tout le reste. Je crois que je suis pas. C'est pas difficile de pouvoir me parler. T'es où? Je ramasse un peu de cailloux pour faire des plumes, T'es des où? flèches. J'arrive. T'es où? Non, mais en fait, notre survie dépend de toi là, donc on a besoin de toi. On va prendre un petit peu de pierre du coup, et on va récupérer un peu de ressources. H1Z1, ça pourrait être cool. Oui, tout à fait. Tu pourras pas de quoi, Andrew? Bien sûr que tu pourras. Si on prend du Left 4 Dead 1, bien sûr que tu pourras nous rejoindre. Ah, les araignées m'attaquent dans l'eau! Ah, les méchants! Il est peut-être pas arrivé, en fait. Ah oui, non. T'as posé un bedroll quelque part? Ah non, j'ai pas eu le temps. Pendant que t'étais. T'as passé une nuit quelque part, t'as pas eu le temps de poser un bedroll là-bas? Ah non. J'étais Non. sur un truc constructible, hein. Non, non, j'ai pas dit que je ne prenais pas or alexandrien. Je ne prends pas les personnes sur Steam, mais. Dans mes amis Steam, je veux dire. Mais bien sûr que des personnes qui ne sont pas alexandriens pourront participer. C'est tout le but, c'est que vous participiez justement. Allez, vas-y, vas-y, aide-moi. Oh, sinon, on va essayer de récupérer notre sac. On va être grande, on va jouer la grande fille et Lynn, on je va suis se pas faire. loin, viens m'aider. Et je viens t'aider avec quoi? J'ai 16 Je sais pas. flèches. T'es où? Viens de sacrifier? Oh, bah voyons. Je te signale que j'ai déjà perdu une vie, hein, moi. Si je meurs pour toi. Si je meurs pour toi. Merci. Tiens, je ramasse des plumes, des flèches. Vas-y. En plus, ces petites araignées-là aux flèches, c'est pas évident. Attends, je vais vite chercher mon sac. Du coup, et on va vers la boîte de nuit après. Vous voyez, maintenant qu'il est là, en fait, on trouve tous les nids qu'on veut. Bon, il n'y a pas de plumes dedans, mais on trouve des nids. On a une banque, ce qui est pas mal. Ah, il y a nos copains qui sont revenus. Ouais, je te les laisse. Tu règles tes comptes avec tes ex. Oui, mais si on n'est pas amis Steam, on pourra pas jouer. Si, si, parce que tu te feras. Enfin, une personne, un Alexandrien, te prendra contact avec vous pour vous ajouter. On s'arrangera, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tout est en travail là-dedans. Et au pire, je vous prends Ami Steam pour la soirée et j'enlève tout le monde le lendemain. Hein. C'est pas un grand problème.
Mince, j'ai pas assez de place. T'es où? Bah, je suis loin, j'ai du mal à courir. Hein. T'as du mal à courir, mais pourquoi? Parce que j'ai plus de stamina. Y a du monde derrière toi. Et je suis enrhumé. Ça, on aurait pu faire pendant la nuit, c'était manger, par exemple. Ok, tu restes dans mon dos et je couvre ton dos. Enfin, j'essaye de Ça va couvrir pas ton le dos. faire parce que j'ai 50 zombies. Moi, je pense que je vais fuir. Hein. Fais attention Tu as de la derrière place ou pas dans ton toi. inventaire? Tu sais prendre mon sac à dos qui est juste là en derrière la voiture. J'ai pas pu tout prendre. Ok, on peut y aller. Alors la boîte de nuit est par là. Bonne nuit, Skills. À la prochaine. Bonne nuit, Skills. À prochaine. Mais t'en refais encore pop devant toi, les zombies. Mais ouais, mais bon, il faut aller à la boîte de nuit, que je te dise, moi. Ça, on l'a déjà ramassé? Non, on l'a pas ramassé. Il y avait un loup blanc. Ah, ben il t'en a Non, gros, il me loup blanc. poursuit. Ouais, t'as pose ton lit. Oh, Déjà problème, c'est posé que... ailleurs. Tu l'as posé où? À la Ah, rivière. bah écoute, je te laisse, hein. T'es mort, t'es mort, tu te débrouilles, hein. Je vais pas me le reprendre. J'ai déjà vécu ça quelque part. Je trouve c'est début de la début de ma série, non? Loup 2, nous 0. C'était pas le début de la série avec Chouquette? Si, je crois bien. Bon, ben voilà, et c'est une bonne série, donc. Voilà, ça va aller, tout va bien se passer. Et après, c'est moi qui suis méchant avec toi. Pourquoi? Ben, peut-être t'es mort au moment où j'ai voulu venir, je pouvais rien faire, donc. Qu'est-ce que tu voulais que je Non. fasse? Quand on veut, on peut. Mais t'étais déjà mort! Si tu me disais que tu vas mourir un petit peu plus tôt. Allez, il me restait plus que 20 points de vie, donc un coup et j'étais déjà KO. Oh, je peux attaquer deux fois puis j'ai plus de stamina quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et t'es de nouveau loin ou? Suis à côté de la boîte de nuit. Ok, oh mince. Oh là, j'ai un peu relâché vite. Ok, maintenant on a des puits, moi, à 50. C'est vrai que j'ai un peu oublié ce détail. Grâce à Ijnep. Merci Ijnep. De quoi? Ah, c'est toi. Par contre, fais attention hein, pour aller chercher ton sac. Parce que t'as le loup qui doit Ouais, y a pas encore le être loup loin. blanc. Et les loups, ça doit pas être évident à tuer. Hein. Je sais pas combien de flèches on doit leur mettre. Ah, je crois qu'on lui a mis dans l'épaule. Voilà. Ouais, piercing, on s'en fout un petit peu. Où est-ce qu'il est encore? Il doit être à l'intérieur. Ah, le loup a disparu. Bonne nouvelle. Ouais. 50 zombies sont à la place du loup, mais bonne nouvelle. D'accord, tu veux que je vienne t'aider? Non, c'est bon. J'arrive. Oui, Mano, bonne idée. Je mettrai aussi un article sur le groupe Steam et une fois que les jeux auront été compris, enfin auront été choisis, je ferai des événements sur le groupe Steam et tout. Donc, allez vous inscrire sur le groupe Steam. Oh, mais arrête de bouger! Ça, je crois que c'est Madame la serveuse qui est pas très contente que qu'on soit arrivé avant l'heure. Voilà, excuse-moi. Hein. Excuse-moi, ma grande. Ça tombait bien, je commençais à avoir faim. Mais voir ça, voilà, c'est parfait. En fait, on se balade à poil, nous, en plus.
Ouais, bien sûr, on se balade à poil. Sinon, c'est pas marrant. Tu es où là? Je suis dans le théâtre, enfin, dans la boîte de nuit. Ça, on l'avait ramassé. La porte de derrière est ouverte et je suis en train de faire une entrée. Ce que je vais faire, moi je vais casser. On va rester sur le toit pour le moment. Donc je vais casser le premier échelon. Laissez tout le monde aller sur le groupe Steam, comme ça vous avez les notifications et tout, c'est plus pratique. Ce qui m'intéresserait de savoir, surtout les gens, c'est quel jeu vous voulez faire, plutôt de savoir comment on va s'organiser avant. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que si on construit des trucs ici, c'est que Ça ça va pas s'effondre. s'effondrer. Non, t'inquiète. Faudrait regarder où il y a des piliers soutenance, mais J'ai déjà construit sur la première Alexandria et y a rien qui s'est effondré. non? Ok. Ouais. Alors, ce qu'on on va peut-être faire directement, quitte à l'améliorer après, mais c'est peut-être faire un, je sais pas, un 5 sur 5, non? Pour passer la première nuit. Ce sera largement suffisant. Manière ici, t'es safe, hein, t'as pas besoin d'avoir de maison. Non, mais on a besoin d'avoir un toit au-dessus de nous, parce que sinon on va avoir la grippe. Enfin, tu vois, on peut attraper froid la nuit. Ah oui, ouais, j'avais oublié ça. Et l'intérieur, tant qu'il n'est pas plus ou moins habité, je préfère éviter d'y rester en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on peut les mettre juste au premier niveau, hein, juste pour dire d'avoir un toit et. Bon, 5 sur 5, c'est peut-être pas beaucoup en fait, hein, si on doit mettre coffre et. Fais 3 de haut quand même, parce que là c'est un peu. T'aimes Je pas? suis pas claustrophobe, mais T'aimes pas avoir le plafond sur la tête? ben si, en général les plafonds c'est sur la tête, hein. Je suis d'accord avec toi, mais Bah, t'as tout retiré du coup? ouais, on va le faire un rien plus grand parce que si on doit mettre une forge, enfin, tu vois, qu'on ait quand même un minimum de place dedans. Pourquoi t'as fermé Faut une porte quand même pour sortir. Ouais, parce que je voulais mettre la porte au milieu, mais ok. Ah ouais non désolé. Tu sais que j'aime pas faire les trucs. Symétrique. Voilà. T'as compris? Pourtant. Pourtant quoi? T'aimes bien quand c'est beau? Bah oui. Et alors, symétrique ne veut pas dire. Quelque chose qui n'est pas symétrique ne veut pas dire que c'est pas beau. Ouais, c'est beaucoup. Moi, je préfère quand c'est symétrique. Tu préfères beaucoup quand c'est symétrique. Bon, bah écoute. Nous avons un problème. J'ai un trépied bizarre. De quoi? J'ai un trépied dans mon inventaire bizarre. Ah, c'est. Oui. C'est un truc pour armes, en fait. Tu peux mettre une arme sur ce pied-là. C'est pas Comme mal. une T'en as suffisamment ou mitrailleuse pas? et. Ouais, j'en ai même de trop. Faudra juste aller en rechercher pour pouvoir upgrade tout le reste maintenant. Ok. Est-ce que tu. Il t'en reste un peu de bois pour faire un coffre? Moi, pas du tout. Oui, il me reste. J'ai soif. J'ai zéro en hydratation. Campfire? Campfire. Vite! 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 T'as des boissons? Ouais, je peux te passer la mienne, j'ai 40 en eau. Ouais, s'il Tiens, te plaît. ramasse par terre. Je te la rends de suite. Ah, je peux pas prendre. Hop. Commence déjà bien, hein. Elle a mis un truc pour faire le campfire, il l'a déjà retiré. Ah, c'était pour le campfire? Ouais, il me gênait. Voilà.
J'ai le cooking pot, ça c'est un peu l'avantage. Et j'ai les murky water. On peut faire des murky water. 19 secondes. Youpa! On a trop de bois encore. Nice! Voilà. Tiens, il y a deux eaux qui sont en train de se faire. Ah mais oui, t'avais fait des coffres. Ouais, t'avais fait des coffres. On va tout mettre dedans. On triera pendant la nuit. Ou entre les vidéos. Je vais chercher du bois et de la pierre. Ok. Bah, je vais commencer à aller loot tout doucement, en fait, du coup. Ok, ça marche. J'ai 78 pieds flèches, plumes. Donc je vais aussi aller chercher du bois, un tout petit peu, dire de se faire quelques flèches. Et puis on va aller loot un petit peu. Lynn, t'as définitivement arrêté Summoner's War. Oui. Allez, descends! Tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh, mais il y a du monde partout encore. Mais foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Tu joues encore dessus, Alex, Summoner's Wars? J'ai l'impression que les flèches elles sont plus efficaces que sur les autres serveurs, non? Je saurais pas Elles te ont été dire. boostées. Je ne saurais pas te dire. Mais par contre, j'ai parfois l'impression que les headshots font beaucoup plus de dégâts. Bah là une flèche et ils sont morus quoi. Ça dépend, j'ai l'impression. Alors on va se refaire après ça un bow parce que le nôtre va un peu lâcher. Et on va aller loot. On va aller loot, il y a beaucoup de maisons. On va aller faire déjà le Brother Seattle. Alors. Non, hop, en dessous. Voyez, mon idée serait donc à ce niveau-ci. Hop, donc au niveau des terrasses, de refermer tout ça, laisser ouvert ici comme ça, ils pourraient venir à l'intérieur, les zombies, on s'en fout, on pourrait les laisser rentrer à l'intérieur, et on pourrait en fait les tuer ici, au milieu. Enfin, il faudrait faire une défense extérieure et une défense intérieure, mais au moins fermer tout ici au-dessus, comme ça on regagne la surface du dessus, et cette surface-là pour mettre des trucs et comment on appelle ça? Tables de craft et autres. Puis les élevages de cochons, de vaches, de moutons, de Dieu sait ce que ce mode nous réserve encore. Parce que je crois que sur le toit, on ne saura pas tout mettre. Par contre, est-ce que les PNJ vont nous rejoindre sur le toit? Il va falloir défendre. Non, je pense pas. Il va falloir défendre le bâtiment entier, je pense. Je Oui. Pardon, je Allô? suis concentré dans la chasse. Allô, la Terre? Oui, je t'écoute. Tu crois que les PNJ sauront nous rejoindre au premier étage et sur le toit? Si tu leur fais un chemin, je pense. Ouais, mais si on fait un chemin pour les PNJ? Les zombies montent. Bah Il faudra protéger ce chemin. ouais. Ça va pas être évident, si évident que ça, en fait. Non. C'est vrai que là. Sinon, on les fait ailleurs, on les réceptionne ailleurs, les. Les réceptionne. Bah oui. C'est la réception. Je fais un peu le ménage au niveau des zombies dans la ville. Ok, bah écoute, vas-y. Ah, ça c'est intéressant. On se demande comment on la torche. Tiens,
Elle tient, hein. On va pas s'en faire plus que ça. Tu vois pas le fil invisible? Non. Non, on le voit pas du tout. Ah bah Mais pas mince. du tout. Bonne nuit à tous, à ceux qui nous laissent, et bonsoir aux nouveaux arrivants. J'ai Combien trouvé on une en copine à a? moi. Ah? C'est-à-dire? Une infirmière. Une infirmière? Oh, c'est une grande histoire d'amour entre lui et les infirmières. Allez, rentre. Alors, on a notre première quête de Husbandry qui est passée. Donc, on pourra faire la deuxième. La deuxième, si on se rappelle bien, c'est. On l'a fait il y a 2 jours. Non, hier. C'est ramasser un cochon, ouais, femelle. Hop, on va se faire une axe, stone axe. Ça serait cool un mode où il n'y a pas de respawn de zombies. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, ce serait vite ennuyant hein, Ouais, s'il n'y a pas de ce respawn de serait dur au zombies. début et... Mais en fait, moi sur ce mode. Oh, j'ai le nail gun. Oh, nice. And tool and die set. Nice, ça. Il est En même temps, complet? sur. Ouais. Sur ce mode, j'ai pas de zombies, je me plains pas en fait, hein. Ah, il y a les toilettes qu'on n'a pas fait. Parce qu'il y a des animaux, donc c'est suffisant. Ouais, c'est ça. Ah, par contre, on a faim. On a faim, on a des trucs en haut. On va retourner manger, on va vider son inventaire. Par là. Je m'étais dit que j'allais trouver des trucs dans les cuisines ici, mais même pas. Même pas. Cette box de rêve. Alors, on met tout ça ici dedans. Hop, 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 hop. Bon, ça, on va la garder du coup. On n'a pas un petit truc à manger? Si, la canne de chili. Alors, sur ce mode-ci, hein, les empty cans, il faut les garder. Parce que les empty cans nous permettent de nourrir les chiens. Oh, par contre, il y a un arc là. On va le prendre. C'était le mien? C'était ça? Oui, c'était le mien. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va loot? Ben, on va faire maison après maison, en fait. Je crois que c'est le plus intelligent. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle a soif. Oh, c'est une blague. Elle a toujours quelque chose, mon perso. Elle a faim. Elle a soif. Celle-là, on l'a fait tout à l'heure. Ici, ils nous ont ouvert la porte, donc on va aller loot, à moins que ce soit toi qui sois rentré dedans. Non, j'ai pas ouvert de porte. Pas si gentil que Non. ça. Ouais, je me disais bien aussi. Je me disais bien aussi. À quand des robots sur 7 Days? Ah. Ça, je crois, par contre. Ça, on prend. Et ça aussi. D'ailleurs, il y en a encore ici. Hop. J'ai regardé. Je pense que vous ne regardez pas. Je sais pas s'il y en a qui regardent cette série-là. J'ai regardé en français. Je crois que le titre c'est Avocat sur mesure. J'ai regardé un épisode aujourd'hui, un peu avant le live. Et franchement, je suis regardée. C'est l'épisode 10 de la saison 6. Et j'ai trouvé cet épisode mais génial. Je sais pas s'il y en a qui regardent. C'est Suits en anglais. Mais ça fait longtemps que j'ai pas trouvé un épisode si bon. Sur la série toute série confondue, en fait. Bon, eh bien, morgue, pas grand-chose à faire. On va casser juste ça pour avoir le charbon. Toi aussi, tu chasses le lapin au bazooka. C'est pas un peu du overkill, je sais pas, enfin, je dis ça comme T'es le ça. lapin au bazooka? Oui, on peut pas. Oui, apparemment. Mais il reste plus rien du Andrew. lapin là, non? Andrew, apparemment.
Chasse le lapin au bazooka. Alors, ici dedans, il va y avoir un gun. Un gun. Et une wrench. Ça marche une fois sur trois. Et des vitamines. Mais c'est nickel, les vitamines, pour remonter un peu notre wellness. Bon, bah, écoutez, ça marche une fois sur trois. C'est déjà pas mal. J'ai oublié mon eau sur le feu, la casserole est vide. Bien, Alex, bien! Pas Encore un mal. peu et t'avais le feu chez toi, mais c'est pas grave. Chuck Morris. Alors, je t'ai découvert récemment via ta chaîne YouTube, plus un abonné. Ça, c'est un bon. Tu m'as donné envie de tester 72 Days, du coup, je viens voir cela en live, c'est plus fun. Alors, il faut savoir ici que c'est pas une partie de 72 Days normale, c'est un modé, le mode Starvation. Donc on avait fait le Val mode, et ici c'est Starvation, autre chose, tout à fait autre chose avec plein plein d'animaux, plein, normalement c'est plein de trucs chouettes, mais ici voilà. Mais ça donne déjà un petit aperçu, il y a d'autres crafts que tu ne pourras pas voir sur les autres. Ah oui, il n'y avait pas de premier étage sur cette maison-là, mais il y a un garage qu'on n'avait pas fait. Pareil, il y a quelque temps, je regrette pas du tout ce jeu, ni la chaîne. Vous êtes adorables. Ce sont de belles déclarations, tout ça. Ouais. Ouais, ça donne envie de continuer. Ah, j'ai des patates! Ah ouais, il faudra faire les champs aussi, quelque part. Je sais pas comment ça fonctionne, en fait. Si on doit faire les champs là où on va faire la tour radio, si... Bah, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, hein. Parce que vu que les PNJ seront là-bas, ils pourront directement récolter. Ouais, mais alors ça veut dire qu'on peut pas faire la tour radio en plein milieu du... de la boîte de nuit? Non. Faut construire un truc. À la limite, ce qu'on pourrait faire... On va pas passer son temps à ça maintenant. Ce qu'on pourrait faire, c'est en face de la boîte de nuit, faire un endroit spécial pour les... Pour les PNJ? Pour les PNJ. Ouais. Ouais, il y a plein de place. Donc éventuellement, on pourrait faire ça. Je ne sais pas si avec les hordes, ça poserait problème que ce soit à côté. J'ai un peu chassé. Un peu? Un peu. Ah. C'est mon bedroll, ça, ou c'est... Ah non, c'est le tien. Ça veut dire que je me rappelais pas que j'avais Devant dit. le truc, c'est moi. Oui, d'ailleurs, faudrait mettre des bedrolls en haut. Hein. Ouais, je le décalerai, je le mettrai en haut. Alors, on va aller faire le dessus du magasin. Youpa! Alors, faut savoir que pour le Hunger Games sur 7 Days, on va avoir un, je vais faire un concours. Qui commencera pendant le live de dimanche. Et on va sélectionner une vingtaine de personnes. Donc il y aura les Alexandriens qui veulent le faire. Et il y aura d'autres personnes. Et donc voilà. Donc on va faire un concours pour que les personnes puissent participer, pour vous choisir. Parce que malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. Et ça prendrait beaucoup trop de temps. Je suis en train de voir pour pas non plus que ça se finisse à pas d'heure. C'est ça que je vous dis que ça sera au finish. Parce que si on fait. Mais ils sont gentils. Il y a tout le monde qui m'a ouvert toutes les portes pour ma loot, c'est bien. Comme on commencera à 22 h, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc on va essayer de trouver une façon pour que un maximum de gens puissent jouer, que ce soit fun et Rotten Flesh, on s'en fout. Et ça, on va le manger. Mais ce serait sympa. Ou alors une capture de Lynn, ils avaient eu l'idée. Pour que éventuellement on soit obligé de me garder en vie pendant tout l'épisode, parce que sinon après il n'y a plus de vie, y a plus de vidéo en fait, il n'y a plus de stream. Mais ce sera l'idée un peu comme ça d'un événement PVP, on va dire. Mais ça, on en dira un petit peu plus dimanche. Et comme ça, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche. Ah, c'est ennuyant, j'ai oublié ma torche quelque part. Bon, on va mettre les bougies. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, out. Voilà.
Je trouve que ça manque toujours de zombies dans les maisons hôtels, c'est toujours étrangement vide et je stresse inutilement. C'est quelque chose qui va changer à partir de l'alpha 16, hein, ça. Parce qu'à partir de l'alpha 16, déjà ça devait pas changer à partir de l'alpha 15, ce truc. Ils l'ont pas fait. Mais parfois il y a des zombies qui sont comme ça couchés. Eh bien, à partir de l'alpha 16, normalement, ils devraient se relever. Enfin, c'était prévu. Je sais pas où ils en sont, je sais pas ce qui va être fait ou pas, parce qu'ils ont parlé de beaucoup de choses. Donc, ils voulaient faire une petite mise à jour. J'ai l'impression que leur petite mise à jour est devenue très très grande. On a soif. Oui, on a soif. Qu'est-ce qu'on peut? On peut scrap. Hop, on va faire ça et on va rentrer boire du coup. On reviendra loot ici. À moins qu'il y ait des distributeurs. Y a rien? Petite bouteille d'eau dans les distributeurs? Non, même pas? C'est une blague? Ouais, des bouteilles vides. Sympa les gens. Ou de la bière. À mon avis, ce jeu, c'est que je suis belge. Et que tu ne vois pas. Il me propose que de la bière. Je suis dans un Shumway Food et j'ai que de la bière ou des bouteilles vides. Ah, enfin! Enfin! Depuis une semaine, je regarde des vidéos en rafale pour me mettre à jour. Et oui, tu es génial, Lynx. Merci. Youpa! Vous mettre à jour. Mais vous avez beaucoup de boulot, hein, parce qu'apparemment, je me suis fait peur moi-même. J'ai vu que j'avais combien? Plus de 250 vidéos, je me suis fait peur en me disant que j'avais fait 250 vidéos. Youpa! Bonne nuit, Aou. Chimé à volonté. J'ai vu sur le journal qu'ils allaient lancer une nouvelle chimée. Ah mince, Stonax, on n'a plus de Stonax. J'ai vu qu'ils allaient lancer une nouvelle chimée. Une chimée à base d'alcool particulière pour le mois prochain, je crois. Je parle aux Belges, là, à qui ça dit quelque chose. Je serais curieuse de savoir combien de degrés elle va faire et comment elle va être. Bon, personnellement, je bois pas de bière, mais... Et Mano pourra pas jouer, il doit modérer le chat. Mais bien sûr. Tu pas. Et si on n'est pas là dimanche? Ça sera expliqué dans le live de dimanche. Il y aura la rediffusion tout de suite après. Et de toute façon, ce sera sur Facebook. Qu'est-ce qu'on va... On va lire ça. On va peut-être prendre le plastique. Le plastique, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on n'a pas pour se faire une flèche? Attendez, on va libérer une place facilement. On craft. Plastique, on va prendre. Ça peut être utile pour certains crafts. Je dis ça, mais belge aussi, pourtant, je bois pas. Moi non plus, je bois pas. Andrew. Commence à y avoir du monde autour de moi. Commence à y avoir du monde. Je ne pourrais vraiment pas jouer, mais si, Mano, on fera des tournants, on fera... Je vais pas dire on fera des tournantes, parce qu'apparemment, en France, ça a une autre signification Oui. qu'en Belgique. Donc à chaque fois, je commence et je m'arrête tout de suite. Mais oui, on s'arrangera, il n'y a pas de souci. T'es méchant! T'es méchant! Voilà! Pas besoin d'être belge pour aimer la bière, être québécois aussi, ça le fait. Ouais, puis regarde, hein, je suis belge, j'aime pas spécialement la bière. Je ne bois que de la pécheresse. Comme quoi? Comme quoi? Allez, allez, allez. Ah ben je suis déçue. En fait, je voulais faire un Shumway Foot au cas où il y aurait des choses un peu nouvelles. Enfin, vous voyez, en nourriture ou ce genre de choses. Et
Et même pas, déçu. Je fais jamais ce genre de magasin et je referai pas ce genre de magasin. Par contre, on va faire les toilettes parce que dans les toilettes. Ah, mais on a déjà une Il vraie y a des chose. guns. Ouais, il y a des guns, il y a des soins. Et ouais, il y a des soins. Blueberry, on va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va scrap ça? Ah, mais non, il y a déjà des trucs de scrap. On va scrap ça? Voilà! Voilà, on a fait le fil de la soirée, c'est fait! On est tous contents. Fallait bien en faire un, hein? Ok, ça c'est pas grave, on prend pas, on sort Axel là. Ah, voilà, des cabinets. Scrap, on n'a pas de place, on va pas refaire un. Voilà, on va pas refaire un petit chemin pour ça. Ça, on a loot? On n'a pas loot. Et pas intéressant, on s'en fout. Allez hop, on y va. Où Ça, tu c'est voudras, fait. quand tu voudras. Oui, tout à fait. Et ça, on drink. Écoute, faut savoir. Ah oui, ça c'est le fameux hôtel où vous avez pas voulu qu'on aille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter ça. Voilà, on va faire des arrows. Oupa! Où est-ce qu'elle est la boîte de nuit? Là-bas. Ça va, tu as des ressources ou il faut que je commence à récolter un petit peu? Non, non, j'ai le bois, j'ai commencé à upgrade la maison. Ok, nice. Mais j'ai plus de pierre. Par contre, il y a un petit zombie là-bas. Qui commence à faire la file. C'est fermé, monsieur. On n'est pas ouvert encore. C'est fermé, monsieur. Ouais, tu veux bien arrêter de sauter comme ça quand je veux te tirer dessus, s'il te plaît? Mais. Non, mais. S'il te plaît. Oh, mais c'est une blague! Comment mettre toutes ces flèches à côté? Merci bien! Cette batte, quand elle va se... Tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît? Cette batte, quand elle va se terminer, je vais être bien triste. On n'a pas mis... Tu portes pas le mandana? Voilà, on a du style comme ça. Regardez ça, qu'on est belle. Oh, bah, il nous manque qu'un pantalon. Eh ben voilà, on est jolie. Il manque un dessus. Mais ça va. 7 ans de malheur. Oui, mais non. C'était pas une vitre. C'est une armoire qu'on a cassée. Bon, il y avait une vitre dessus. Mais ça, chut, faut pas le dire. Pas les miroirs qui portent malheur, les vitres ça porte pas malheur. Oui, non. C'est les armoires à médicaments que j'ai cassées. Oui, donc il y a un miroir. C'est moi ou depuis que j'écoute Lynn, j'ai perdu toute humilité à chaque fois qu'elle lit mes commentaires, elle met tout ce qui est au féminin ou au masculin. Je suis désolée, j'essaye d'aller vite pour lire tous les commentaires et jouer en même temps. Désolée, Evil. Alors, on va faire ça. T'as pas trié les coffres, hein? Non, ils sont pas triés. Ah non, non. J'aime pas trop trier en fait. T'as dû t'en Très bien. rendre compte déjà. C'est pas grave. J'ai préparé un peu de nourriture dans le cooking pot. Oh nice. Ah oui, bien vu, j'avais faim, j'avais soif. Et Ça des va, t'as bacon and suffisamment de eggs! fleurs? T'as Mais! suffisamment de fleurs Non, j'en ai 4, c'est pas suffisant. Je voulais faire un mur en fleurs, mais. T'en Mais as que tu. 4? Oui. Il fallait pas regarder le live comme ça. Faut pas tricher. Ah bah. Mais oui, j'aurais bien empilé les pots de fleurs, mais je peux pas. J'en ai pas assez d'abord. Faut d'abord mettre partout et puis après on empile. Alors, petite pause glou glou miam miam, aussi bien dans le jeu que IRL. Excusez-moi. Il est quand même passé minuit. Ça fait maintenant combien de temps? 2h30? 3h30 qu'on est en live? Donc j'ai un petit peu soif. J'ai la gorge un rien sèche. Salut Bédi, 42FR. Et bienvenue aux autres personnes qui nous ont rejoints, qui n'ont pas parlé dans le chat.
Hop, voilà, là je crois qu'on est bien. Et il est genre là. Il y a de l'eau tout près? Il y a de l'eau tout près. Je vais aller me chercher de l'eau. Ça c'était le Il y soupir a une du. rivière pas loin, C'était le soupir du mais c'est tout. désespoir. Non, du tout. Non, non, du tout, du tout, du tout. Dis ça parce que t'es énervé. Mais non. Il n'y a pas de. Ah, voilà. Pas de bois? Ah, je crois qu'on a pour faire la forge. T'as de Je vois l'argile? pas du bois. Ah non, on n'a pas l'argile. T'as le cuir? Oui, on a du laser. On a les iron pipes. Donc il manquera un peu de pierre et il manque de l'argile. Je vais aller chercher à boire et je vais chercher de l'argile en même temps. Une chevelle. Ça paraît calme comme ça la ville, hein. J'ai bien dit, ça paraît. J'ai fait un peu le ménage quand même. J'en ai tué quelques-uns. Bonsoir Sabounette et bonsoir aux nouvelles personnes qui sont là. Alors, je vous préviens que vous pouvez diminuer un peu le son de votre moniteur. Pas grave. Parce qu'il y a des serpents dans ces zones-là. C'est par là qu'on doit aller, hein. C'est par là qu'on doit aller. En effet. Ça se voit, hein. Ça se voit sur le visage que je suis très rassurée à aller par là. En fait, tu sais, maintenant, j'ai même plus le temps de voir les serpents. J'arrive à vite du regard détecter le vert. Tu vois ce que le vert un peu très Ah mais des clair fois tu du. confonds avec la salade aussi. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Du coup, parfois, je pense que c'est. C'est risqué. Mais en même temps, je préfère confondre avec une salade. Enfin, tu vois, je préfère me dire, voilà, c'est une salade et tout. Enfin, c'est un Ouais. serpent et que ce soit une salade que l'inverse, tu vois. Que me dire, Ouais, ouais, c'est ça pas va, de la c'est une ramasser salade, je quoi. peux la ramasser et c'est un serpent, c'est autre chose. Et du coup, il nous faut de la clé. Et de la clé, il y en a juste là. Juste là-bas. Oh, il y a une petite crieuse là-bas. On va peut-être pas aller par là. On va peut-être aller à l'autre, hein. Ouais, là, ça me paraît très bien. Attends, enlève-toi de là. Mais, enlève-toi de là! Pourquoi je peux pas pointer de ma souris là? Bizarre. Pourquoi j'ai encore un sac à dos qui apparaît Ah, parce qu'on avait laissé un truc dans mon sac à dos, je crois. Il apparaît toujours à cause de ça. Donc il nous faut une cinquantaine pour la forge. Il nous faut un peu pour l'intérieur de la forge. Maintenant, vous avez l'habitude, hein. Donc, on va en prendre un petit peu. Je crois qu'on va finir notre pelle. Mort de rire et je n'ai pas kiff à jouer et à chatter. Ouais, il fait rien, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu peur. Ah, mais non, on prend pas de la clé là. Et si j'essaye de regarder le chat, moi, je fais des bêtises. C'est moi ou Mano a disparu. GG Lins pour des 2845 abonnés YouTube. 2845. Vous êtes vraiment des malades, les gens. Et Chris du même. C'est tranquille. Et c'est même suspect qu'ils soient partis tous les deux. C'est même suspect qu'ils soient partis. Allez, on termine. Ah ben voilà, elle est terminée. Hop, on perd pas du temps. On se crappe. Et il est 20h. Donc éventuellement, ce qu'on pourrait aller faire. On a un peu de place, donc on va essayer d'aller loot une petite.
petite caravane. Je sais pas pourquoi ça me fait. J'ai pas confiance à monter, à aller loot ce truc. Ça déjà, on ramasse. J'ai jamais été loot ces caravanes. Il y a pas mal de choses à loot dedans. Je les ai jamais loot non plus. Je suis très peu tombé dessus à chaque fois que j'ai joué. Par contre, c'est abusé quoi. Il doit s'il y a rien dedans. Il doit y avoir des choses, mais pas grand chose. Mais c'est du style. 12 000 points de vie. Et alors, t'as une porte blindée de. Tu vois, 3 niveaux. Il doit y avoir des trucs dedans. De Ulrich, là. Il doit y avoir des trucs dedans. Enfin, s'il y a rien dedans, je comprends pas le but. Enfin, à part si. Ouais, à part si c'est pour rester joli. Par contre, fais attention à l'heure. Ouais, ça va, je suis juste à côté. Hein. Je suis pas très très loin. Ah ouais, mais quand même, quoi. Bon, là, c'est 1000. Éventuellement, on pourra en tenter une. Avec Ijneb, on pourra venir. Ça prendra pas trop de temps. Par contre, il y a plein de frigos, de trucs d'or. Ah! Là, il y a 300. Voilà, on fera celle-là demain. Est-ce que tu crois qu'on peut faire des plantations sur le toit? Ça peut mal. Ouais, il nous faut de la terre, ouais, ça marche. Ouais, mais c'est, enfin, moi c'est plutôt point de vue effondrement du truc que ça me fait peur. Ouais, ça tient. T'avais fait ça une fois toi déjà. Ça, je m'en rappelle de ton petit toit. Comment fais-tu pour prendre tous les loots en une fois lorsque après avoir fouillé quelque chose, tu as. Attends, comment est-ce que j'appuie? Normalement, moi c'est D, mais je crois que c'est. C'est E chez vous pour tout prendre. Ou sinon. Moi c'est R. Ah, vous c'est R. Alors, point de vue touche, moi ça va être horrible pour. Ici, oui c'est ça. Donc, R, tu vois ici au-dessus, tu as un petit, un petit logo avec une main et avec une lettre. Et en fait, tu appuies sur cette lettre-là et ça prend tout. Et c'est R pour moi aussi. Avec mes contrôles particuliers, c'est peut-être pas toujours évident de vous dire sur quelle touche vous devez appuyer. 21h20, donc on va tondre un petit peu la pelouse. Pas là, ou pas là, ou pas là. Par contre, ça, on est jour 2, on n'est pas trop mal du coup. Comment est-ce qu'on va faire pour défendre la petite chose pour la horde? La petite chose? Ouais, tu vois, notre petite baraque, notre petite maison, là. Parce que mettre des spikes tout le tour, on peut commencer à farmer maintenant. On les aura peut-être pour la horde du 49e jour, hein, demi. Alors, pour le prochain live, on engage des farmeurs qui ne feront que de ça, bois, en fait. Juste farmer le bois. On pourrait faire ça, à la limite. On prend avec nous un viewer. Vendredi, je prends avec moi un viewer pour le bois et un viewer pour la mine. Je vous exploite, hein. Vous êtes exploité. Hein. Vous faites que ça, en fait. Que miner et que... Après l'esclavagisme sur Conan, l'esclavagisme sur... Sur 7 Days. Pourquoi pas après tout? Comme tu constates, quand je dis que je découvre, je découvre. Bah écoutez, on a tous commencé pas. T'es pas en train de me fermer la porte au nez, toi? Ah non, non, je regardais si elle marchait bien. Enfin, fonctionnait, pardon. Alors, moi ce que je propose. Tu mets une fenêtre. Voilà. Tu veux pas qu'on mette un Velux?
Bah tu on peut mettre les deux hein. Oh, j'ai la flemme de casser. Voilà. On a des windows. Mais en même temps, faut. On va essayer. Voilà. Bon, il y a un petit bug, mais bon. Ça va? Tu t'en sors? Ah, c'est là tu que j'étais. Tu as de l'eau ou pas? Oui, deux, tiens. Tu peux aspirer. Ah, attends, il y en a six. Oh, ok, attends. J'aspire. Voilà, comme ça, on récupère sa torche. Ah, c'est pas suffisant. Valérie, le retour. Valérie, les migraines, c'est quoi les contrôles particuliers? C'est sur la souris? Non. Alors, moi, mes contrôles particuliers. Petit cours de contrôle particulier de l'INS. J'avance avec le Z, jusque-là, normal. Je recule avec le S, jusque-là, normal. Mais je vais à gauche avec le A et je vais à droite avec le E. Donc, je joue avec A, Z, E et S. Et pas Z, Q, S, D comme tout le monde. Et maintenant, je sais d'où ça vient. Ça vient de WoW, comme j'ai joué à WoW au tout début. Même Alex s'en souvient, c'est fou. C'est un sauna, oui, c'est un sauna. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'organise ici dehors? Moi, je propose qu'on fasse les élevages ici en haut, non? Les élevages? Ouais, des animaux. Tu sais? Ok. Cochons, tu les montes comment en haut? En fait, quand tu les captures, tu les prends dans ton inventaire. Ils sont dans ton inventaire et tu les déposes tout simplement. Ah, ok. Donc, en fait, la seule chose qu'on a à faire. Ah! La seule chose qu'on a à faire. Bah, ouais, non, on pourrait faire ça. Allez, go, on peut commencer en fait. Go, 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 on perd pas de temps. T'as beaucoup de bois? Non, j'en ai 122. Bon, on va poser les 15 premiers frames, les gens. On va poser les 15 premiers bois. Ce que je pense faire, regarde, tu peux sortir, hein, il fait bon dehors. Ouais. Ce que je propose de faire, donc déjà ça, éventuellement, faudrait peut-être le casser. Ou alors tu restes là-bas et tu suis sur le live, hein, puis en décalé, vu qu'apparemment tu regardes le live en plus. Non, t'inquiète. Ce que je me dis, c'est que on ferait bien, tu vois, on remonte ici les bords, on remet des frames tout le tour, d'un ou deux ouais. niveaux. Tu veux bien te mettre comme ça, tout le long. Comme ça, parce que les chiens et les cochons et tout ça, ça saute. Donc comme ça, on les garde dans un endroit confiné. Et ce qu'on ouais. pourrait faire, nous, c'est mettre une échelle pour nous sortir. Et alors, tu vois, mettre un peu en contrebas une plateforme en fer, là, les barrières de fer, pour, la défense. Pour pouvoir aller ouais, pour la défense. Ouais, ça peut se faire. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, le truc là-bas en dessous, faudrait le casser. Parce que ça va nous empêcher de... Le triangle. Ouais. Ça va cacher un peu la vue. Non? Ça peut être sympa. Hein ouais. Et alors, on peut mettre les élevages à l'intérieur. Tout ce qui est PNJ à l'extérieur... Enfin, tous les élevages ici au-dessus. Et tout ce qui est PNJ à l'intérieur, en fait. Du coup, on les met à l'intérieur, les PNJ? Ou à l'extérieur, enfin en tout cas, on peut commencer l'élevage sans les... Sans les PNJ. Sans les PNJ, de toute façon. Et donc commencer l'élevage ici au-dessus. Et au pire, on les reprend avec le whip et on peut les redescendre. Donc... Ouais. Agrandis les rebords, souviens-toi, les chiens suicidaires. Oui, Andrew. Oui, oui, on a eu la même chose avec le cochon sur la vidéo de... Bah, d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, oui, c'est ça. Rien, il y avait rien sur le dernier live, il y avait juste des gens, enfin l'avant-dernier live c'était quand, il y avait un moment déjà, des gens qui n'ont rien d'autre à faire le soir que de venir ennuyer leur monde. Bon et eh bien écoutez les gens, il est minuit et demi, je propose qu'on arrête là, 3h du matin. Ça me paraît pas mal. Comme ça, ça nous laisse une petite marge pour la recommencer. Réflexion. Oui, c'est ça. Et on va sortir. Je vais quitter. Comme ça nous laisse une toute petite heure pour
nous remettre un petit peu dans le bain pour le prochain live. Et le prochain live, normalement, ce sera vendredi. On refait ça vendredi? Je sais pas si t'es là, toi, Ijnev, vendredi. Mais en tout cas, Oui. tu es là. Eh bien voilà, donc vendredi, rendez-vous pris. Par contre, 20h30 ou 21h? Pour Comme toi. tu veux. 21h, pardon. Donc Parce que je travaille. vendredi 21h. Voyez la petite bibiche aussi, elle trouve que c'est l'heure. Oui, le bibiche. Oui, le bibiche. Alors, on va quitter. On va prendre une scène qui fait un petit peu moins de bruit. Attends, 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 attends. Oui, on va dire au revoir à tout le monde, mais attends un petit peu. Oui, oui, voyez, elle veut vous dire au revoir. Donc, vendredi, 21h, Starvation, on améliorera tout le dessus de la base et on commence nos élevages. Oui. Yalayla qui est d'accord.